watches that doggy in the window, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. Bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play sur la chaîne sur Bioshock 1, jeu sorti en 2007, développé par 2K Games. Alors pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion ni de faire le 1 ni de faire le 2, tout simplement parce que j'étais frileux des environnements d'intérieur, et c'est pour ça que j'avais commencé la licence par le 3, qui était sorti, lui, je crois, en 2013, le 2 étant sorti en 2010. Celui-ci, en tout cas, s'est vendu à un peu plus de 3 millions d'exemplaires en l'espace de 2 ans. Donc ça a été à l'époque un gros carton. Je crois qu'il est noté sur JVC à 19 sur 20, si je vous dis pas de bêtises. Et pour terminer, juste avant de commencer, pour savoir, j'ai eu les 3. Donc vraiment la trilogie via un site concurrent de mon partenaire que je ne pourrais pas citer, mais pour moins de 11 euros. Donc voilà, donc si vous voulez vous lancer vous-même après avoir vu Let's Play sur la licence ou même pendant, n'hésitez pas à le faire. Pour le reste, on est parti. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Oh motherfuck. Ok, bon. C'est bien foutu. On est remonté à la surface, je teste un petit peu les boutons. Oh non! Quel pays pour moi est mes semblables? Ni Dieu ni roi, le pouvoir à l'homme. De la bâtisphère. On est parti. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question.
Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. D'accord. Encore une petite minute. La bathysphère arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite! C'est interdit. Ne faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Tu ramènes ici, pourquoi tu la ramènes ici? Enculé! Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. C'est à nouveau. Oh putain! Laisse-moi! Prenez cette radio à Hong Kong. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément, et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas, je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Ok, Atlas. Je l'entends. C'est quoi ça? Vite à chambre. Si vous êtes tué par les autochtones de Rapture, vous serez instantanément reconduit à la dernière vite à chambre que vous avez croisée. Une partie de votre énergie est rétablie et vous avez une quantité d'EV minimum. Les vite à chambre fonctionnent automatiquement, inutile de chercher à les activer, à les utiliser ou à les activer. Ok. Donc là on a la carte. L'objectif. Les messages audio. Et de l'aide. Ok. Moi je suis pas bien. Je vais me faire défoncer. Je vais te faire souffrir. Faire enculer. Oh putain!
appeler la police. Il y en a un autre, Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin de Glaneuse. Les papas malins vont toujours au jardin. Putain, je suis sous pression directe. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Non, la vision d'un homme le salue l'humanité. Bon, déjà j'ai une crowbar. Là, je me sens mieux. Allez vous faire foutre. Faut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Oh. Bulle. Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai? Ok. Allez. Oh là là, je me suis enflammé, j'ai tout cramé. On récupère un petit peu de fric. On est bon. Je ne vous permets pas de me juger.
Oh, motherfuck. Écoutez, j'ai une famille. Je veux les faire sortir d'ici, cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Tu seras tout seul. Et si tu chantes cette petite chanson, c'est super. Et bouffe! Hangen! Les plasmides ont transformé cet endroit en asile de fous. Au début, tout se passe bien. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. Tu me prends vraiment pour un imbécile! J'ai de compte à rendre à personne! C'est bon, Nathan! Dégagez-les! Charley, où es-tu passé? Oh merde. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Oh, je suis foncé. Bien le tour. Ça va récupérer un maximum de trucs. Je suis trop modifié. Personne ne voudra plus de moi maintenant. J'arrive. Oh fuck. T'es dans la merde. Pas ici, pas ici. C'est un protecteur. La petite elle récolte la dent. Et lui, il la protège. Je n'ai pas touché. Oh merde. Je n'ai pas sérieux. Nous devons maintenir ce temps. Il y en a là-bas. Si vous voyez un gros homme dans l'eau, attaquez-le avec votre arc. Ok. Ah, et donc ça one shot.
pas rassuré. Je suis pas rassuré. Alerte de sécurité en cours. Oh putain! On est bon? On est bon. Oh, ça arrive! J'arrive. On se bat! On se bat! On se bat! Ne retourne pas! Non! Non, c'est pas vrai, vous êtes coincés! Je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici. Dis-moi! Quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazedania, comme vous préférez. Vas-y, tire! Vas-y! Vraiment! Vraiment! Oh putain! Il y a du monde. Hé hey Marie, tu viens au grand match ce soir? On m'a dit que c'était les Ryan Raiders qui jouaient. Pas question, Jim. C'est trop dangereux. Tu n'es pas au courant? Les vampires de la sont partis. Hé, à toi. Alors, les robots de sécurité piratés deviennent vos alliés et attaquent vos ennemis. Piratés. Voir plaques, découvrez les segments de tubes sous les plaques, intervertissez les segments de tubes pour créer une canalisation continue, guider le métal en fusion vers la sortie. Ok, alors, donc la sortie est là. Tac, tac, tac. Le liquide est en train de couler. Hein. On est bon? Si j'appuie sur terminer, ça fait quoi? Nickel! Les robots de sécurité piratés deviennent vos alliés et attaquent vos ennemis. Parfait! J'avais besoin de ça. Putain, mais il fait un bruit de moto. Je vais t'appeler YZ. Ça c'est quoi, distributeur acheté piraté? On va pirater ça. Donc la sortie est là, l'entrée est là-bas. Putain, il y a de la route. Donc s'il faut que je fasse, il faut que je remonte. Tac. C'est bon. Enfin, celui-ci. Et on est bon. Nickel. Plus d'objets seront disponibles et tous les prix seront réduits. Parfait. Eh, tu me protèges, hein, YZ. Bienvenue à la farandole des prix. Merde, j'ai passé de thunes. Cool. Bienvenue
Bienvenue à la farandole des prix. Donc là, j'ai envie de tuer. Ouais, ça vaut pas le coup. Allez. Vas-y, défonce-le. Greg Z. Allez, mon gars. Qui est là? Elle est là. Par où? Je m'indique pas mon chemin là. Sécurité en cours. Accès momentanément. Nous vous remercions pour votre patience. Si vous voulez utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinman. C'est lui le patron ici. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la remette par pure bonté d'âme. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il lui reste une âme. Allez. Dites au ministre qu'il devra attendre. C'est le mariage de ma fille. Ah oui. Vous avez allé à la frontière. Les voilà qui arrivent. Ah non, la merde. Ce patient, je vous prie. Il y a un mec derrière. Maintenant encore. On est bon? Oh, j'ai plus de balles! Pour changer de munition. Viens par ici! Je vais perdre mon temps, espace de monstre! Putain, mais ils parlent comme des humains, quoi. Oui. Attends, laisse-moi faire des courses. Bienvenue à la farandole des prix. Je me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Parfois, j'ai quand même des choses qui n'existent pas. Mais en descendant de plasmide, il faut que tu te calmes un peu sur les injections. Ça va passer en arrière temps. N'oublie pas que plasmide bien choisi. Putain, mais j'ai entendu une voix de fille. Ok. Greg Z, t'es passé ou pas, mec? T'es passé. Vous m'aviez promis de me faire plus belle, Steinman! Vous me l'aviez promis! Mais regardez-moi! Regardez-moi! Ouvrez bien l'œil si vous voyez Steinman. Ce sont vos crétins qui en boutique dans l'aile chirurgicale. Oh, j'ai pas envie. Vous le trouvez, suivez les traces de sang.
Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas, pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis tous à très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.